Bienvenue dans le deuxième épisode de Zelda ROTH. Nous sommes dans le temple de l'eau. Alors c'est parti. On a déjà eu la carte à la fin de l'épisode précédent, mais on n'était pas encore allé plus loin. C'est bizarre, il n'y a pas de musique. Ah si, il y a de la musique. C'est la même que dans le premier donjon en fait. On peut passer là en fait. Déjà, je vais aller voir là. Ouais. Du coup, ça sert à rien. La boussole. Je vais quand même faire comme ça. Coffre par là. Petite clé. Parfait. Oups. Encore un interrupteur de cristal. Et par là, on est coincé. Quelque chose me dit que je vais avoir le grappin dans ce donjon. Alors, on va essayer de faire attention. Oups, ah c'est bon. Ah mince. Je croyais que je pouvais les tuer en un coup, mais non. C'est bon, j'ai une clé. Le problème, c'est que je vais pas tarder à mourir. Cool, un cœur. Et par là, encore un coffre. Et encore une clé. Pour l'instant, pas vraiment de difficulté si ce n'est que je suis pas doué avec les monstres. Ah, mais vraiment pas doué. Je devrais utiliser mon arc. Et une petite clé supplémentaire. Ok. Ah, on peut pas le changer quand on est dessus. D'accord. En fait, je vais avoir soit les palmes, soit le grappin. Logiquement. Ici, je suppose qu'il faut mettre une bombe. Cool, ça marche. Ah, le grappin. Trop cool. Ah, ça marche. Ok. Donc là, j'ai fait tout le tour. Il y a une salle où je suis pas allé, en bas à gauche. Ok. J'aimerais bien des cœurs. Ah bah voilà. Il suffisait de demander. Une clé. Et par là. Une clé. Tout bêtement. Aïe, je me noie. Ah mais je suis déjà venu là. Alors il me reste un coffre tout en haut et il me reste la salle en bas à gauche. Donc je suis déjà allé voir le coffre. Mince. Ah, oh, je suis trop vite. J'ai essayé d'obtenir le coffre qui est là-haut. Ah
Yes, la clé du boss. Bon, ensuite, comment je me barre? Tout simplement par là où je suis venu. Ok, et donc dans la salle qui me manquait... Aïe. Ah oui, c'est... Ah d'accord. Ok. Oh, des cœurs. Des cœurs, des bombes, des flèches. Ok, cool. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Sauvegarder et quitter. Sauf que je peux pas y aller sans les palmes. J'ai tout visité. Et je peux pas aller là-haut sans les palmes. Donc, il faut sortir du donjon. Alors maintenant que j'ai le grappin, en tout cas, il y a plein de trucs que je peux aller chercher. En commençant par ce fragment de cœur. Ah oui, je suis dans cette fameuse caverne. Ensuite, il y a ça. Encore un fragment de cœur. Après... Qu'est-ce qu'on avait par là déjà? C'est le cimetière, mais on pouvait rien faire. Je vais revenir dans la forêt du début. Parce que je me souviens qu'il y avait aussi des endroits où le grappin était nécessaire. Là, on peut pas faire grand-chose. Ah oui, il faut ressortir du premier donjon par cette deuxième sortie. Et là, je pense qu'on pourra obtenir peut-être ce fragment de cœur. Pour ce qui est de celui-ci, je peux pas passer à cause du buisson. C'est bien dommage. Alors, si je passe par ici, c'est-à-dire ma maison. Non, là-haut, on peut pas y aller. Donc faut vraiment retourner dans le premier donjon. Le temple... je sais plus comment il s'appelle. Temple de la forêt. Temple de la forêt. Alors, où est l'autre sortie? Elle est là. Ça va, c'est pas bien compliqué. Et donc d'ici, je pensais pouvoir obtenir le fragment de cœur. Et aussi, elle est là-haut. Là-haut, je suis bloqué, il me faut le marteau. Mais par là, je peux avoir logiquement le fragment de cœur. Yes! J'ai déjà 8 fragments de cœur. Parfait. Bon, bah, je pense qu'il faut que je repasse par là. Obligatoirement. Et là-haut, il y a quoi? Ouais, encore des choses là-haut. Hein. Ça sera pour plus tard. Alors, retour à la plaine d'Hyrule. Essayons de trouver d'autres endroits où le grappin peut être utile. Ah bah déjà, il y avait, je suppose, les montagnes là, non? C'est peut-être un peu tôt pour aller là. Je sais pas. J'en ai pas la moindre idée. Et puis on peut aller là aussi. Encore
fragments de cœur. Il y en a partout, hein. D'ailleurs, je vais bientôt avoir 100 rubis. Il va être temps de retourner au village Cocorico acheter le flacon magique. Là, on peut pas. Ah, cool. Ça fait toujours plaisir, des petits fragments de cœur comme ça. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ces plateformes-là? Pour l'instant, je vois pas comment on peut monter. Même là-haut. Entrée du désert, temple de la montagne. Ouh là là, oui, on a le désert après. Ah. Ah, on peut aller là. On peut pas aller là. Tiens, une pierre noire. Bon, là, on va aller là. Et voici le désert. Fragment de cœur pour la route. Et donc là on peut... Ah si, on peut y aller par la pancarte là. Temple de la montagne. Bon bah. Parce qu'on nous propose un beau temple. Allons-y. J'ai trouvé la carte du donjon. Appuie sur P pour voir le plan. Ok. Ok, d'accord. Oh bah celui-là est beaucoup plus grand. Je sais pas si j'ai vraiment envie de le visiter tout de suite. Parce que... Déjà que... Il me manque que 4 rubis avant d'avoir le flacon. Puis... Ah bah ça y est, je les ai. Et puis en plus, je pense pas avoir visité tout ce que je pouvais avec le grappin. J'ai d'abord envie de continuer à visiter. Village Cocorico, désert, mont du péril. Ah, on peut... Tiens. On peut trouver une connexion avec le village Cocorico en passant par ici. Pourquoi il y a une statue plus un bloc? Bon. Oh, cool, merci. Donc là, on peut passer peut-être... Ah non, on peut pas. Là, on peut s'accrocher. Ah ah! Je veux mon flacon! Oui! Yes! Et avec ça, je peux acheter une potion, mais de toute façon, j'ai pas assez de sous. Par contre, tant que je suis là, je vais refaire un petit tour, vérifier que le grappin. Il n'y a pas des endroits où je pourrais aller grâce au grappin. Je pense pas que ça soit par là. Ça, c'est le château d'Hyrule. On ne peut rien faire. Quand même faire un tout petit tour. Ah ah. Non, on peut pas passer. Faut arriver par le désert, logiquement. Puis là, si je me souviens bien, même avec le grappin, on peut pas passer parce qu'il nous faut la baguette de feu pour brûler les buissons, je suppose. Ok.
peut passer là aussi, j'avais pas fait ça encore. Ah. Est-ce que ça nous permet d'aller à des nouveaux endroits? Bon, j'ai pas l'impression. Nous voici de retour dans la plaine d'Hyrule. Je peux aller revoir le mec qui collectionne les monstres. Puisque tous les 7 monstres, j'ai droit à une récompense. Ah, je suis pas encore arrivé à 7 en fait. Enfin, je suis pas encore arrivé à 14 plus exactement. Par là, il y avait quoi? Oui, d'accord, il y avait le temple de l'eau. Ok, je pense avoir fait à peu près le tour. Aïe. Alors, j'étais pas trop à voir par là, mais apparemment je suis bloqué. J'étais allé voir par là. Oui, j'étais allé voir par là. J'étais pas allé voir par là. Donc là, on peut pas passer. Là, on peut pas. En fait, y a rien. Donc, je vais faire le même trajet. Et par là. Ah, on peut pas non plus. Je pense que j'avais vraiment fait le seul trajet possible. Possible en tout cas pour l'instant. Avec notre équipement actuel. Aïe. J'avais quand même pas beaucoup visité le désert là. Même quasiment pas du tout, village Gerudo. Le temple se trouve au fin fond du désert, à la place d'une ancienne oasis. Donc on a le temple de la montagne, le temple du désert. Oh, un autre flacon. Ça m'intéressera bientôt, ouais. Et le temple de l'eau qui est pas encore fini. Forgeron, ok, cool. J'espère que je pourrai avoir une nouvelle épée. Ça ressemble au forgeron. Ah non. Ah, 10 rubis. J'ai plus trop de sous, alors on va essayer quand même, mais bon. Tiens, là. Raté. Bonjour Link, je suis le chef de ce village. Tu devrais aller voir le forgeron et lui présenter ce que tu veux pour qu'il renforce ton équipement. Tout sera gratuit pour toi. Trop bien. Je suis quand même un privilégié. Ah, ça doit être toi le forgeron. Ah bon? Bah attends, eh oh. J'ai été recommandé par le chef du village. Bon, ça doit vouloir dire que c'est un petit peu trop tôt pour venir ici. A mon avis, je dois faire le temple de la montagne en premier. Potion verte, ok. Donc potion rouge, c'est dans le village Kokoriko. Potion verte, c'est ici, dans le village Gerudo. Et puis la potion bleue, je suppose, ça sera... peut-être ailleurs plus tard. Alors, visitons un peu plus le désert. On peut passer là. Yes! J'ai déjà eu 3 cœurs complets grâce au fragment de cœur. En 2 épisodes. Ça va très très vite. Aïe. Perdu dans le désert, vous êtes ici. Et une croix.
bien avoir le cœur. Cadeau gratuit, le fragment de cœur. Rien à faire. Non, encore un. C'est pas possible. Il savait pas où les mettre. C'est cool les fragments de cœur comme ça. Un peu trop facile quand même, mais bon. Et ça, ça ressemble autant au désert. Eau non potable. Ça va être de l'eau empoisonnée ou quelque chose comme ça. Peut-être bien, puisque on va parler d'une ancienne oasis. Et ici, on retrouve le château d'Hyrule. Voilà. Donc, c'est bien là où j'étais tout à l'heure de l'autre côté. Ok. Oups. Donc, le temple du désert. Niveau 4. Donc, je pense que c'est un petit peu prématuré, puisque j'ai pas fini le 2 et j'ai à peine commencé le 3. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. Et puis, dans le prochain épisode, je visiterai non pas le temple du désert, mais le temple des montagnes, donc le 3. Ok, à bientôt, salut!